Allez, suite du programme. Le coup de cœur de la semaine, Baco. Alors, la question habituelle, savez-vous qui est Baco? Personne ne connaît Baco, et voilà, le pauvre, il est vraiment inconnu au bataillon. Alors, son vrai nom, c'est Pascal Micalian. Ça vous dit rien non plus? Ah! Je pense, hein. Oui, qui est Pascal Micalian? Je pense avoir entendu, oui, il a des vidéos sur YouTube, Voilà. non? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait, ce garçon? Ben, il joue de l'harmonica, mais D'accord. Et quel style? c'est assez variété, non? Plutôt? Non? Non. Non? Oh Non, non. c'est pas le même alors. C'est pas Ah, c'est celui pas. auquel je pensais. C'est pas celui auquel je pensais. D'accord. Non, c'est un harmoniciste Blues. de blues, oui. Non, c'est pas celui auquel je pensais. Voilà. Et alors, il a une particularité. Je vous ai déjà un petit peu parlé de lui, c'est qu'en fait, il aime bien brancher son micro sur des pédales. Donc, c'est pas des pédales comme le vélo, hein, c'est des pédales d'effet qui permettent d'ajouter des effets de chorus, de delay, de plein de choses, quoi. Et il aime bien justement avoir des sons un peu différents. Donc, il transforme le son de son harmonica pour avoir un son différent. Et à un moment donné, il avait tellement d'effets comme ça, un peu dans tous les sens, qu'il faisait des sons un peu bizarres, un peu, on va dire, des sons d'usine, un petit peu, quoi. Et il y a un concert où, en fait, j'avais joué. C'est un concert, en fait, c'est un concert de fin de stage, donc les élèves qui jouaient et puis les profs qui jouaient également. Donc il n'y avait pas du tout de compétition entre les profs et les élèves, comme ça se fait des fois dans certaines écoles où on a les élèves d'abord, puis les profs qui disent, bon, ben, maintenant on va faire de la vraie musique, ça m'a toujours agacé. Non, là c'est vraiment complètement bon enfant, de toute façon c'est vraiment l'esprit blues, voilà, on s'amuse vraiment, quoi. Et du coup, il s'était amusé justement à faire un petit spectacle autour d'une chanson de blues. Alors en fait, il joue le morceau, et puis ensuite, il fait le tour dans la salle, et en fait, il lâche le micro, il fait le tour toute la salle en train de jouer un riff, il revient sur scène, il termine le morceau. Donc c'était assez marrant à faire, quoi. Enfin, en tout cas, c'était vraiment un bon spectacle, quoi. Puis c'est un super harmoniciste de blues. Et en fait, au début, donc il règle toutes ses pédales, tout ça, et puis il fait des sons un peu bizarres. Il y a le gars à la console qui dit, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe là? Alors, il commence à trifouiller tous les boutons, chercher, vérifier tous les branchements. Il dit, c'est pas possible, il y a un bruit parasite sur ma table, c'est une catastrophe. Et moi, j'étais mort de rire parce que j'avais compris que ça venait pas de la table. Et il s'approche de l'ingénieur du son. Il dit, non, mais c'est normal, hein, c'est moi qui fais ça. Ah bon, c'est fait exprès. Oui, c'est fait exprès. L'autre qui est 10 heures militaré, ce type. Il fait exprès de faire de bruits bizarres. Mais c'est parce qu'en fait, il a plein d'effets géniaux, quoi. Et alors voilà, je vais vous faire écouter ça. Donc, c'est un petit extrait de concert où il accompagne une chanteuse. Donc, alors, Baco. Tac, donc, le lien, c'est ici. Schluck. Voilà, nous avons le lien sur YouTube. Voilà. Donc, ça dure 6 petites minutes. Donc, c'est. Alors, vous avez, en fait, dans cette vidéo. Donc c'est un petit concert, voilà. Donc en fait c'est un peu un concert de famille, puisque vous avez Lucille qui est au chant, qui est la fille en fait de Pascal Micalian, et puis vous avez un compagnon de route, vous avez Basile Leroux à la guitare. Donc voilà, enfin, vous avez c'est des gens avec qui il a l'habitude vraiment de jouer. Donc Pascal Micalian à l'harmonica, sa fille au chant, et ça s'appelle enfin, c'était le Blues Festival 2015 d'Avaye. Je ne sais pas où est Avaye d'ailleurs, bon, peu importe. Ah oui, c'est dans le département 86, près de Châtellerault. Voilà. Donc, Blues Avaye. Et donc, vous allez voir, en fait, il va accompagner, le chant. Donc, il va faire ce qu'on appelle des contre-chants. Donc, c'est des petites mélodies complémentaires au chant. Et après, il prend un solo. Puis bon, vous allez voir, il fait un peu le guignol toujours. Il a beaucoup d'humour, Baco. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on peut le. C'est vraiment une de ses caractéristiques. Il a beaucoup d'humour. Et vous allez voir, c'est très, très, très sympa. Et donc, avec un son assez électrique, en fait, de l'harmonica. Allez, on écoute Baco, Blues Avaye Festival 2015.
Maintenant, je vois qu'il y a une question, peut-être. Ok. Donc, non, c'était pas une question. Donc, maintenant, je vais faire appel à votre sens aigu de l'observation. Est-ce que vous avez remarqué une chose bizarre, inhabituelle? Jean-Jacques, peut-être. L'harmonica, les aigus étaient à gauche. Bravo, exactement. Comment est-ce que réussit à jouer des aigus à gauche? Comment il fait? Comment est-ce qu'il peut bien faire pour jouer les aigus à gauche alors que normalement ils sont à droite? Exactement, voilà. Jean-Louis a raison. Jean-Louis Le Chauve a gagné. C'est que tout simplement, il retourne l'harmonica. Et pourquoi il retourne l'harmonica? Jean-Louis le... Oui, parce qu'il a commencé comme ça, il a appris que de cette façon-là, je suppose. Exactement, exactement. C'est quand... Et donc, du coup, il y a une anecdote très amusante de là-dessus, puisque c'est une question qu'on lui posait, il me dit, mais tu tiens ton harmonique à l'envers? Bah ouais, mais tu arrives à jouer quand même. Bah oui. C'est qu'en fait, j'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, il me semble. Il me semble bien que j'ai dû faire une vidéo là-dessus, je vais vérifier. C'est en fait, c'est la... La question qu'on m'avait posée, c'est comme, est-ce que c'est la tête qui bouge ou est-ce que c'est l'harmonica qui doit bouger? Et donc, en fait, j'avais fait une vidéo pour montrer qu'on peut tenir l'harmonica dans n'importe quel sens. Alors, attendez. Voilà. Touc.
ça rame un peu ce soir. Mais... non, ça ne doit pas être cette vidéo-là. Attendez. C'est dans les vidéos 5000 pour vous répondre. Pouf. Donc, en fait, la vidéo. Ah voilà, c'est ça. Bah justement, c'est cette question. Est-ce que les graphes sont à gauche ou à droite? Bon, alors je vais vous partager ça. Ça répond exactement à ce que je suis en train de raconter. Voilà. Donc en fait, j'ai fait une vidéo là-dessus pour répondre à une question numéro 42, puisque ça fait des questions qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il faut mettre les gros? Bonjour. Florence me pose une question. Droite. Voilà. La tenue de l'harmonica avec les graves à gauche est-elle importante? Et en fait, je dis simplement dans cette vidéo qu'on peut tenir l'harmonica dans n'importe quel sens et ça marche quand même. Grave à gauche et je fais par exemple le 6 soufflé puis le 6 overblow. Ok, maintenant je retourne l'harmonica. Les graves sont donc à droite. Alors, il faut que je me repère, parce que du coup, je n'ai plus les mêmes points de repère, évidemment. Ah, c'est ici. Donc, même technique. Même son. Maintenant, je vais même faire mieux. Enfin, mieux, pas mieux, non. Plus original. Au lieu de le mettre comme ça ou comme ça, je le mets verticalement. Ça marche aussi. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire que je le retourne deux fois. Ça marche encore. Magique. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, on peut tenir l'harmonica dans n'importe quel sens et les techniques fonctionnent de la même façon. Donc, il n'y a aucune magie derrière, c'est juste que c'est l'harmonica qui est magique, ce n'est pas moi. Et alors, l'anecdote que je voulais vous raconter à propos de lui, c'est que donc, il nous parlait de ça pendant le stage, en fait, en disant, enfin, peu importe, moi, j'ai les graves dans l'autre sens, quoi. Et quelqu'un lui dit, mais alors, ça veut dire que quand tu joues, tu ne vois pas les numéros parce qu'ils sont en dessous. Il dit, parce que tu crois que quand tu tiens l'harmonica à l'endroit où tu joues comme ça, tu vois les numéros? Il faudrait avoir les yeux dans la bouche. Ah ben oui, effectivement, on ne les voit pas. Oui, mais comme ça, on peut se repérer. Ben non, en fait, on n'a pas... C'est pas... Si on passe son temps à se repérer comme ça pour jouer, on ne joue pas, quoi. Donc, non, on n'a pas besoin de regarder les numéros, en fait. Donc, ils seront là, bon, s'ils ne seraient pas là, ce ne serait pas très grave, quoi. OK ? Voilà. Effectivement, il a toujours, après, joué comme ça. C'est vrai que ça peut paraître curieux de dire, bah, tiens, il a appris l'harmonica à l'envers. Peut-être que sur le premier harmonica sur lequel il a joué, il n'y avait pas les numéros, justement. Et comme les marques étaient, parfois, les marques sont écrites des deux côtés. Et puis, voilà, et puis il s'est dit, bah, tiens, je vais le prendre comme ça. Et puis, il a commencé à jouer tout seul. Et puis... Puis après, quand il est tombé peut-être sur une méthode en disant les graves sont à gauche, il dit bon, bah moi je vais continuer à droite parce que sinon, à la fois que je me retourne le cerveau, ça va pas être évident. Donc il a continué comme ça. En fait. Voilà, bah, très bien observé en tout cas, Jean-Jacques. Bravo. Jean-Louis.